5 minutes du Marriott, je crois. Mais si c'est si vous vous en doutez pas. Parce qu'on m'attend au Marriott en fait. Moi je suis going Marriott. Vraiment. Oui. Bah, Miam going, t'inquiète pas. c'est ça. T'inquiète pas, moi je vais dans une villa, mon frère. on est Gucci là. Ouais, grave. Maman, ah ça y est là, ça monte là. Cannes, I'm back. Les canoises. Je veux juste qu'on me voit. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, les gens pourront pas voir. Mais on essaiera. Ouais, grave, tu essaieras. Oh my god, guys. On y est, nous y sommes. La 77e édition du Festival de Cannes et la 3e avec la présence de la grande superstar Spark Dice. Oh my god! C'est mon 3e et j'ai tellement de chance de pouvoir, genre, encore une fois, vivre ça parce que vraiment, c'est genre une des expériences qui me fait le plus kiffer dans mon métier, je crois. C'est vraiment, genre, être ici. C'est le prestige, c'est le cinéma, c'est vraiment, genre, la célébration du 7e art. Et avec tout ce qui s'ensuit, voilà, encore une fois, je suis toujours pas là pour présenter un film, not yet, on va pas précipiter les choses, on est là pour faire la belle. Donc on va se préparer ce soir, on a un dîner au Palais Bulle, qui est un lieu magnifique, on a déjà été il y a 2 ans, et là on y retourne pour un super dîner, vous allez venir avec moi de toute façon, comme d'hab, je vous amène avec moi de fond en comble dans tout ce Cannes, dans toutes mes expériences ici, comme l'année dernière. Alors, il fait beau, il y a du soleil, vraiment, on est au Marriott. Quelle chance, c'est incroyable. Vraiment, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je rêvais de ça quand j'étais tout petit, genre vraiment. Vraiment, la croisette n'attendait que moi. On a galéré, on a eu des retards de train, de ci, de ça, mais franchement, le soleil est là. Là, regardez la croisette, venez avec moi. C'est incroyable, regardez. Bon, comme d'hab, je suis hyper late. Je viens finir de me préparer, donc j'y vais. Let's go, night one. Parce que j'ai réparé
son sac. Ouais, mais grave, guys, je vous explique. Nour, elle a posé son sac sur la table, là. Et son sac, il était en train de brûler. On avait une conversation, je vois le feu, il commence à prendre. Non, non, vraiment, merci, ma sœur. Son sac, il a brûlé. Mais il est mieux qu'avant. Non, mais j'ai l'air. Je suis choquée. Ah, ah oui, ah, J'avais oublié. Attends. Photo. Je filme. Je vais grave phaser quand on va tout démonter et tout là après. Ça va être incroyable. En vrai, c'est une bonne expérience. En vrai, là, je taffe, mais je te jure que c'est que du plaisir et j'ai trop la joie. Je suis reconnaissant parce que qui taffe au palais du genre. Bah oui, non, mais vraiment, genre le lieu, genre, je pense que vous avez vu. Bref, c'est incroyable. Je sais pas filmer. Je peux filmer sur YouTube. Ah, oh, c'est trop à bout. Attends, bouge pas. C'est moi. Je vous ai manqué ou pas? Parce que vous m'avez trop manqué. IRL, vous m'avez trop manqué. Voilà. Oh non, mais on est à Cannes, on a la villa. Tu te rends compte, la première fois que j'étais ici, c'était avec vous deux aussi. C'était il y a deux ans. Ouais, ça va, vous avez kiffé la soirée? Non, mais moi j'ai mal aux pieds. Guys, ça fait depuis 5 jours, je dors pas, je dors une minute. Ah non, mais j'aime pas en plus. Ah. Non, mais la Gisèle. Non, mais la Gisèle. C'est quand on fait un voyage la fabuleuse? Les clients. Est-ce que je suis invitée ou je suis évitée? Bah, tu veux des clients? Je suis invité ou je suis évité? Tu m'as invité, trop manqué. Elle est malade, mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Ma vie, Jojo. Notre troisième Cannes. Mon premier Cannes, c'était avec Gisèle. Ouais, il était ghetto, mais c'était génial. Cannes, on s'en rappellera parce qu'on arrivait, on n'avait pas d'appart. C'est marrant, on a dormi dans le restaurant. Oui, en bas. On était à la on rue. Ah non, mes amis, vous partez, genre. Non, mais en vrai, de vrai, là, je me rends compte que vous partez et que du coup, oui, là, je retourne au travail. Vas-y, bisous. Allô, Samia? Je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel. Écoutez le son qu'on entend sur mon balcon. Je peux faire la fête sans être avec eux, c'est trop bien. Je peux rester dans mon balcon chill sans avoir à parler aux gens et tout. C'est trop bien, j'ai passé une excellente soirée, je vous promets. Là, ce Cannes numéro 3, il démarre, mais archi fort. Les gars, je sais pas. En gros, c'est ça que je voulais dire, c'est que l'énergie que je pensais de Los Angeles quand j'étais petit, c'est celle qu'il y a ici. Et à Los Angeles, elle n'existe même pas. Genre vraiment l'énergie en mode genre fête, slay, star et tout. Je pensais que c'était ça Los Angeles et ça l'est pas du tout. Mais par contre Cannes, ça l'est grave genre. Franchement. Non mais il y a des yachts et tout, regardez. C'est hilarant. Je suis trop heureux, guys. Il y a Simo qui est arrivé à Cannes. Du coup, là, il passe dans ma chambre pour se changer. Et aujourd'hui, on a le tournage avec Brut. Donc, ça va être trop sympa. Je sais pas comment... Cannes. J'étais content qu'il te reporte tous tes trucs hier, c'est en mode... Qui quoi? Qu'il te reporte les trucs. Ah ouais, grave. Il arrive à 15h, il se maquille à 16h. Tu veux du café? Ouais, je vais me servir. Je vais voir ta vue. C'est sympa la croisette, hein. Mmh.
Bon, alors, premier réveil à Cannes. Là, je me dirige dans le hall parce qu'on va tourner avec Brut. Bah, regardez. Bon, du coup, je me dépêche parce qu'en fait, Brut a été hyper sympa. On devait tourner genre un peu plus tard. J'ai demandé à tourner beaucoup plus tôt pour pouvoir aller sur le yacht Technic Art. Parce qu'aujourd'hui, on a une après-midi en bateau. Et ça, ça va être genre du génie. Putain, j'ai oublié mon carnet. J'arrive. La vraie star de Cannes. Oh my god. Et le Brut, c'est Spark Guys, Izia, c'est à mon tour de briller. On va aller arpenter la croisette pour le 77e Festival de Cannes. Pour le challenge Only If You Can, c'est le 4e épisode avec Instagram et Brut. On va vous poser des questions, c'est parti. Guys, c'est journée bateau aujourd'hui, tu sais. Oh my god. C'est une influenceuse, il est hyper connu. Ah ouais, ouais, je suis une super méga star. Attends, il fait des photos pour Gatsby. Bah oui, bah j'en fais tout. J'ai plein de rockers. Vas-y, dis. Ouais, faut profiter. Exactement. Chaque bouchée c'est au moins 50 euros. C'est pour ça que j'ai essayé de Malaga. Elle est très bonne. Un jour on est mal à Paris, le lendemain on est allongé sur un yacht à Cannes. Tu te rappelles la ligne 13? C'est tellement ma ligne. Mais il parle à qui votre ami? Tu sais que Adé Laurent c'est mon voisin. C'est qui? Non, Adé Laurent. Et ça baise ou pas? Bah mon rêve, mais je vois tous les non, matins. Attends, non, non. On est bien. On a pas parlé de toi. En fait, ah, non, mais non. Oui, oui, non. Ok, guys, on a fait notre après-midi en bateau, mais c'était juste incroyable. Je crois que c'est la meilleure après-midi en bateau que j'ai passée. On a dansé, on a bronzé, on a nagé, on a tout. On a tout. On a tout. En tout cas, ça marche. Ma chérie, je suis gourmande un peu. Une bouteille de vodka, elles sont jolies. Moi, je me demande, mes skins. Il y a des là comme celle-ci, récupère-en une, elle est trop belle. Non mais ouais, on dirait une bouteille d'eau. J'aime trop parce que le verre il a été bien travaillé et tout. Ouais, c'est une bouteille qui a de la vie, tu peux laisser un message. Exactement. Grave un message. Grave d'accord, ta dette. Non, mais on dirait c'était trop bien, guys. On a trop kiffé le bateau. C'était genre incre. C'est Instagram là ou fait ici à la chambre? Instagram Brut. Et trop stylé, t'es une superstar. Oui. Tu te rends compte que quand même tu connais avec l'application du social media numéro 1 en France. Dans le monde, en dans fait. Le monde, c'est Instagram, genre. Mais faut certifier, bande de rats. Instagram, ils collaborent avec moi, mais ils veulent pas me certifier, bande de rats. Ouais, je sais, je sais.
Drac. Bordel que c'était, je suis choqué la journée d'hier. Hier, monsieur, déjà à Cannes, il faut savoir qu'on dort pas beaucoup, genre c'est choquant. Et donc ça fait genre 2-3 jours que je dors pas beaucoup, donc hier j'avais pas beaucoup de sommeil, mais je me suis levé, je me suis maquillé, j'ai eu mon tournage avec Brut sur la Croisette et c'était génial, mais il faisait chaud. Après ça, j'ai pris le bateau, comme vous avez pu le voir, j'ai nagé, j'ai vécu dans le bateau et tout. J'ai fait la fête sur le bateau, donc vous voyez comment c'est drainant de journée bateau, c'est fatigant et tout. Je suis revenu ici, douche, reglame, montée des marches, j'ai été voir le film Substance de Coralie Farja. J'ai été à Magnum, boire petite coupette de champagne et tout. Toi, c'est un stress, on est cool, non? Ah oui, et donc après on a été au Silencio. Silencio, c'est genre une boîte. Au casino, genre à côté du palais, là où il y a les projections. Tata Oromi mixait là-bas. Donc c'était vraiment genre techno, yas, rave et tout genre. Et après 3h30 du matin, on était en... Ça y est, quand est-ce qu'elle finit cette journée? Mais genre in a good way, genre c'était génialissime. J'ai eu 1 milliard de vues hier et vraiment quelle expérience incroyable. Donc voilà, là ça fait 2 jours que je cours un petit peu. J'ai eu mes impératifs de taf, même si c'est que du kiff en vrai. Mais ce que je devais faire vraiment a été fait. Les contenus, les tournages, les ci, les ça, la montée, des marches et tout. D'ailleurs c'était génial, je l'ai vécu tout seul. Le film c'était une dinguerie. C'est une actrice hollywoodienne qui veut absolument garder sa jeunesse, etc. Et du coup elle trouve un sort de remède et tout, mais c'est un peu, c'est hyper gore en mode horreur et tout, mais en même temps c'est très LA, très Y2K, genre l'esthétique années 2000 et tout, mais en même temps genre, je sais pas, hyper over the top, hyper genre sexy, hyper, il y avait des plans et j'étais gagged, genre il y a pas beaucoup de dialogue, ça que j'ai bien aimé. C'était grand angle tout le temps, en mode IRL, enfin c'était hyper joli. Et Demi Moore, elle a 61 ans, mais elle est slay, genre, enfin bref. Et le sound design surtout, c'est ça qui m'a marqué le plus, c'était vraiment genre mood, musique, techno et tout, genre, je sais pas. C'était très LA, genre LA, genre il y avait une atmosphère, non mais vraiment, j'ai passé un bon moment. Et qu'est-ce que j'allais dire Oui, donc là en fait, je suis hyper à l'aise, mais je suis censé check out de l'hôtel. Donc il faut que je fasse mes affaires parce que je change d'hôtel. Donc là on est au Marriott et ce soir je dors au Martinez. Oui oui. Vraiment, mais la vie de star. Ce soir c'est Fenty Beauty qui m'invite au Martinez. Et donc voilà, j'ai trop hâte. Bonjour Christine, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de vous déranger. En fait, il me semble que j'ai oublié les clés de la maison. Je ne sais pas si vous pouvez checker dans ma chambre, c'est sur le bureau. Ouais, c'est sur le bureau, je crois que j'ai oublié les clés. Si vous pouvez me dire, en tout cas, je ne les ai pas sur moi dessus et je ne suis pas sortie avec. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Oh, le palais des glaces. C'est dans le même désert. Ah, ça fait du bien d'être là. Oh my god. Hey. Ah, j'avoue, c'est tard. Hey. Je viens de voir Bilal passer. J'adore regarder les tapis rouges en direct parce que je suis en mode, bah c'est juste à côté, c'est là, donc je peux voir ce qui se passe.
à 500 mètres, c'est hilarant. Puis moi j'y étais hier. Le premier que j'ai fait, c'était hyper stressant. Le premier de ma vie, il y a 3 ans. Mais après, une fois que tu l'as fait une fois, ça y est, genre. Nous sommes actuellement dans ma nouvelle chambre. Et là, c'est Fenty Beauty et Fenty Skin qui nous accueillent au Martinez. Donc merci infiniment à eux. On a été, mais genre, plus que gâtés. J'ai jamais vu ça. Gommage, miroir, poudre fixatrice, fat water, indémodable. La gelée démaquillante qui est excellente pour se laver le visage. Le body butter, c'est ça? Ça, c'est un masque qui est excellent. On a le parfum. Ah, mais vraiment la totale Rihanna, là. Il manque plus qu'un vinyle. Hydravisor. Quel bonheur. Enfin, j'adore. Mais voilà, l'aventure Cannes continue. Ce soir, on a soirée algérienne. Algérie, ouais. Genre, Magnum, ils ont d'être sur la croisette. En plus, regarde ce qu'ils m'ont envoyé, mon pote. Il m'a dit c'est déjà l'Algérie devant. Mais j'ai hâte. Voilà, j'ai trop hâte. Il faut que je me repose. Hein. Oh my god. Enfin, c'est ce que je fais depuis, hein. T'inquiète. Ils nous ont regardé en mode on était des pattes, enfin, ça va. Ouais, que là. Tu vois des grands. Ouais, je vois ce que tu vois. Mais attends, mais. Ouais. Je vais déjeuner avec Gisèle, j'ai trop hâte. Parce que Gisèle a fait un aller-retour sur Paris, elle est revenue. Donc là, je l'attends. À la fin d'aller-retour, la dame. Soleil et tout vite. Et en plus il filme là, il charbonne là. C'est quoi? Il en peut plus. Non non non, en bas, ça filme, en bas. Oh. Mais oui. Moi je charbonne. J'ai trop la flemme en fait des talons, je peux plus, je suis fatiguée. Mais genre en mode, sinon il y a ce haut, mais vas-y compresse. Compresse les seins, genre de ouf. Et c'est quoi la robe là? Quoi? C'est pas une robe, c'est un haut noir. Moi j'aime bien ça. En mode fonte et tout. Ou bien après j'ai des trucs vraiment star shine et tout, mais shine pourquoi si on va nulle part en fait? Bien. Franchement, ouais, non. Bon, cette robe on l'a déjà vue. Sinon j'ai ça. Regarde, oula. Pourquoi ça a craqué comme ça? Attends, ça c'est pas moi, c'est le mec. Attends, on est canning. Tu l'as dit, il y a 4 heures. Je te rappelle, il y a 4 heures. On est slaying ou on est pas slaying là? Ah, ils sont in real life. In real life, toujours. In real life, toujours. Alors, pour vous, ah ouais, la bise et tout. Qui se rappelle dans un épisode de IRL où je dis. C'est sûr que Taylor Swift est remplie un stade de France et oui. Qu'il y avait des ingrats à ma table, ils disent n'importe quoi, jamais. Elle a rempli 5 défense arena, c'était fini. 1 million de personnes sur Ticketmaster et c'est en mode non, j'y crois pas, je le sens pas. Non mais c'est vrai, c'était incroyable. Joanne, j'en parlais tout à l'heure avec Sullivan, Joanne est vraiment
il sent les tendances pop culture qui vont arriver parce que genre en 2018, il m'a attrapé par le callback pour aller voir en concert Sabrina Carpenter. Oui. Personne ne la connaissait. Oui. On a attendu, il m'a traîné à Londres pour aller la voir. Et je m'a dit... Au final, elle pète le score, elle a le tube voilà. De l'été, je suis désolé. Bah voilà, bah bravo. Bah ouais. Maman chérie. Guys, c'est juste incroyable ce qui se passe. Genre, c'est une des plus belles propriétés que j'ai jamais vues de ma vie, là où j'ai dormi cette nuit avec Nour. C'est vraiment la Dolce Vita, genre old money, old money. Et c'est incroyable. Franchement, c'est une des plus belles chances que j'ai eues de ma vie de pouvoir passer une nuit ici. Genre, regardez, c'est juste incroyable.